évidemment la Viva Stadium. Complet pour ce match. Et c'est parti, le coup de sifflet de Monsieur Pearson, l'anglais, et la première réception pour les Irlandais du Leinster. Il a perdu en avant, Monsieur Pearson est derrière. Je crois qu'il ne l'a pas vu, Dave Pearson. Sexton. Ouais, c'est bien fait avec Ian Healy. Healy qui se relève, il n'était pas tenu. Et le Leinster qui joue en avançant pour la première fois du match. Attention, ils sont capables de mettre beaucoup de volume de jeu. Ouais, les Irlandais avec O'Brien. Tenir le ballon sur des séquences très très longues. Form. Ouais, complètement le bout de Sexton, mais c'est récupéré par Darcy. Pas mal de discipline dans la défense des Blues. On se sort bien des zones de plaquage pour permettre la bonne libération du ballon. Redan. Ah, il y a dégage. Du mouvement, il y a du surnom. Mike Sexton, la faute de passe. Sexton, oui, il a du essai maintenant, c'est fait. Essai pour l'Assouar. Oh, le premier essai du match. 12e minute de jeu. L'essai de l'ailier Fitzgerald, l'Assouar. Premier essai. Il va y avoir une percussion ici. Voilà, et c'est sur la percussion. Là. Est-ce qu'on va voir le ralenti jusqu'au bout? Et non, on n'a pas pu voir le ralenti jusqu'au bout. On voit la fin de l'action là, simplement. Et le bon travail de Sexton. Fin de passe, fixation. Et il emmène parfaitement Liam Penny avec lui. Ensuite, il peut décaler sur Kearney, qui cadre à son tour pour transmettre un assez 50 minutes. Un peu plus de 50 minutes. Et les bleus qui vont chercher la pénalité. Le numéro 7, Marty Williams, qui était détaché, qui aurait pu être pénalisé. Oh, attention derrière, parce qu'il y a Fitzgerald qui arrive avec beaucoup de vitesse. Redan. Gordon Darcy qui a échappé au premier plaquage. Dès qu'ils parviennent à avancer, ils sont très dangereux. Avec O'Driscoll qui donne à Redan. Redan qui va peut-être aller marquer l'essai. Il va être un peu court. Il y a du soutien derrière. Il faut que ça sorte vite. Et ça va sortir vite avec O'Brien, avec Rob Kearney pour le deuxième essai du Leinster, une demi-heure de jeu. Suite à ce bon travail, vous voyez les plaquages manqués quand même dans la défense de Cardiff. Regardez O'Driscoll ici, hop, qui ramasse dans l'axe, qui joue debout, qui trouve Redan. Redan qui est récupéré in extremis par Liam Penny, qui libère bien son ballon. Une nouvelle fois là, avec un plan plus serré, la charge et le déboulé dans l'axe du demi de mêlée. Et là, on ne s'affole pas, on prend le temps d'éjecter sur l'extérieur et je dans un foot. Attention au Leinster qui pourrait chercher à enfoncer le magnifique avec Fitzgerald. Ah, c'est fait. Oh, action merveilleuse du Leinster, splendide. Le troisième essai marqué. Il avait été relâché. Regardez, hop, on vient avec Islip fixé, remise à l'intérieur. Roche est trop court et le soutien permanent qui est assuré avec O'Driscoll qui a transpercé, qui est venu proposer une solution de passe à hauteur. On le revoit sous un angle différent. Islip dans le dos, la passe aveugle de Sexton, la belle course de Fitzgerald et enfin la conclusion. Ah, et il le sait, hein, il ne le regarde absolument pas, Sexton. Il était parvenu à se qualifier pour les quarts de finale. Et cette année, Cardiff est le seul qualifié pour les quarts de finale alors qu'il y a trois Irlandais. Deux Français, il n'y en a plus qu'un, c'est Clermont qui défiera les Saracens demain. Et le vainqueur de ce match, Saracens-Clermont, défiera vraisemblablement le Leinster, vu comme c'est parti. Les Irlandais sont revenus dans les 22 mètres adverses. Oh, magnifique, le décalage pour l'Assouar, peut-être le premier essai de la deuxième période. On s'approche de la ligne. Ça va vite, ça va très vite, ça avance systématiquement du côté irlandais. Avec Healy, malgré trois adversaires, ah, non, il a été refoulé. Oh oui, vers l'extérieur, oh, avec le doublé pour Kearney, le quatrième essai. Kearney, regardez les séries de passes à une pas, de passes à une... de passes sur un pas. Sur un pas, je vais y arriver. Et là, on pense que Kian Healy va parvenir à marquer. Au dernier moment, il est refoulé. Et regardez, la redisposition dans le côté fermé. Hop, la passe un petit peu acrobatique de Redan. Et puis, on se consomme à deux sur le même joueur en défense. Avec Hewitt, qui est un peu incriminé sur cette action. Moins que ce ne soit Tom James. C'est Tom James avec son casque. Regardez, qui est aspiré sur Brian O'Driscoll, qui ne garde pas les yeux focalisés sur la défense. Du coup, qui laisse. Il joue dans le dos des... des avant, mais ils s'en sont aperçus, les joueurs du Leinster, ils prennent plus sur les leurs. Et surtout, ça n'avance pas, ça ne franchit pas
Et puis ils perdent du terrain surtout. Ah, il y a un décalage. Avec Lomana qui a bien fixé pour les 8. On est tout près de l'essai avec Martin Williams qui lève le point. Pour se faire une raison. Ah non. Non. À mon avis, il perd le contrôle du ballon. Il me semblait que. Et il le maîtrise pas. Il maîtrise pas le ballon. Regardez. Ah, il le. Ah, c'est ça l'image. Est-ce que là, mais elle est floue, oui. Malheureusement. Est-ce qu'à ce moment-là, la main est en contact? Ça me semble compliqué de l'accorder. Hein. Décision de Monsieur Warren. Thank you very much. No try. Ouais, ah, pas essai. En avant, ouais. Aïe, aïe, aïe. Pas d'essai pour Martin Williams. Avec coup franc en faveur du Leinster. Toutes les décisions en mêlée sont en faveur des Irlandais. Hein. Et logiquement, d'ailleurs, quand ils ont. Outrageusement dominé ce secteur. Oh, ah, il est passé. Oh, il est passé O'Brien et il avance encore. Quelle course du troisième ligne irlandais. Il n'y avait pas de soutien direct, mais ça y est, c'est arrivé avec Islip. Ouais, les deux joueurs au départ de l'action, ce sont eux qu'on retrouve pour la suite avec la passe lobée. Oh, merveilleuse passe de Sexton pour Kearney. Kearney qui prend l'espace. Il a été repris par le cuillère. Il se relève. Ah, il y a des fulgurances dans cette équipe du Leinster. Le Leinster, mais en revanche, ils ont pu travailler leur défense. Ah, et l'attaque aussi avec Nassewa. Peut-être le cinquième essai du Leinster. Nassewa qui a attendu pour donner à l'intérieur pour Madigan. Une bonne récupération défensive de Cuthbert. Attention parce que ça. Mais c'est pas terminé. Ils ont peut-être envie de faire marquer, mais interception. Interception de Scott. Bonne passe. Alors, Kearney. Tranquillement, il a attendu Islip, Boss. Ils récitent leur rugby, les Irlandais. Islip vers l'extérieur. Il y a Colin qui n'a pas trop d'opposition. Il va jouer le 1 contre 1 avec Alfeli. Il arrive à transmettre à Nathan White. Même les premières lignes s'y mettent. Ah ouais, Gavin Jenkins. Islip. On sent qu'ils ont envie de finir fort, les joueurs du Leinster. Avec Nassewa à l'intérieur, l'accélération de Nassewa, la croisée. Avec Fergus McFadden qui reste debout. 1 minute 30 à jouer. Et les Irlandais qui ont envie d'offrir un dernier essai à leur public avec une pénalité. Joué rapidement par Isaac Boss. Ah, on n'était pas à 10 mètres. Ça peut être un carton. Hein. Et ça sera un carton contre Tom James, regardez. Ah ouais, pas de cadeau, pas de cadeau. Ah oui. Et c'est pour la dernière action de ce match. Boss. Ah, il y avait en avant. Il y avait passe en avant de Sexton. On laisse jouer. Nassewa. Dernière action de cette partie. Le Leinster va-t-il rajouter un cinquième essai à cette balade? Eh non, c'est terminé. Score final 34-3. Démonstration du champion d'Europe en titre, le Leinster, qui se qualifie pour les demi-finales pour la quatrième année consécutive. Les partenaires de Rob Kearney s'imposent 34-3 face aux Gallois de Cardiff. L'analyse, elle est assez simple, hein, Thomas. Oui. Il y avait une seule équipe sur le terrain, aujourd'hui une qui a largement dominé. Cardiff a fait illusion à un quart d'heure en début de match, même pas 10 minutes, où ils ont tenu défensivement.